Yo tout le monde, la vidéo aujourd'hui, vidéo sur le labyrinthe saison 4, et honnêtement les gars, je le dis dès le début, vraiment, waouh, pire que la saison 3, même 2, ou même saison 1, vraiment, l'étage 1 c'est infâme, il y avait un nerf des passifs, avant c'était, donc saison 3 c'était plus axé sur les teams monoraces, maintenant c'est dans des passifs pour la globalité, tu vois, donc en gros, je sais pas, augmente de 5% l'attaque, enfin c'est vraiment minime, tu vois, t'es en mode, ok, yo, it's me. Donc ouais, je trouve ça, ouais, vraiment c'est bancal les gars, ça me saoule un peu honnêtement. Là je suis en train de le faire, ça fait peut-être 5 fois que je reset, etc. Que je refais la vidéo aussi, enfin c'est très chiant hein, vraiment les gars. C'est très très chiant. Je suis un peu tilté, honnêtement je suis un peu tilté, donc à tout moment ça peut partir. Lol, tu vois ce que je veux dire. Donc ouais les gars, ouais bon, bah écoutez. En fait je comprends pas pourquoi ils changent le labyrinthe comme ça à chaque fois et... C'est compliqué tu vois, bon je prends Guile. Normalement de base je prenais Other, mais Guile j'ai l'impression que c'est quand même plus intéressant. Guile a un stun, mais a priori on peut pas stun Heliok, parce que oui le boss à la fin c'est Heliok bleu, et le but c'est d'avoir des persos verts mono-cibles, ou des persos bleus mono-cibles. Mais c'est compliqué en fait d'avoir des bons persos, parce que tous les persos sont nuls en fait, donc c'est très compliqué. Très très compliqué les amis. Donc c'est vraiment de la luck en fait, hein. Si t'as pas de chance sur les persos, bah rip, hein, vraiment rip. Hein. Mais là tu verras que le passif... Hein. Ah ok, ça, en vrai là par contre tu vois, on a eu des passifs UR, donc ça va tu vois. Mais c'est, encore une fois c'est de la luck en fait, c'est ça le problème, c'est vraiment de la luck. Donc c'est quoi ok. On va prendre lui en vrai. Hein. Vraiment broken lui ce passif, quand t'as été full jauge, ça te permet d'avoir 50% d'attaque en plus, donc ça peut vraiment carry... pardon. Bon voilà, gauche pardon. Je crois que j'allais misclick. Donc on prend les levels, après on a le choix avec un perso. C'est quoi les persos? King. King les gars c'est très nul. Je pense que je vais reset. Ouais, donne-moi un bon perso, please. Mais là ce coup-là. Ok. Bah c'est fort mais là ce coup-là, mais ça veut dire qu'il faut que je prenne un deuxième perso rouge qui a moins de PV en fait. En gros c'est ça. Hein. Comme ça, moi, je mets le passif de Mela sur lui. Ok. Donc, 15 000, voilà. Pas beaucoup de vie, par contre. Hein. Il me faut un perso rouge, genre. Qui a moins de vie que Mela. Mais Mela a pas beaucoup de vie de base, en fait. Donc, Ah, c'est compliqué, vraiment. Très, très compliqué, les amis. Parce que Mela, c'est fort, hein. Les gars, en PV, son passif est très, très fort. Vous savez à quel point c'est... Ça fait des ravages entre guillemets, tu vois. Après, le truc qui est cool avec Mela, c'est qu'elle a beaucoup de lifesteal. Mais bon, le truc, c'est qu'elle se fait one shot, donc. Ouais. Ça rentre pas non plus dans le bon dégât ici. Ok. Ah, on a tellement pas de stats en fait, ça. J'ai envie de pleurer en fait, hein, clairement. Tellement pas de stats avec la team. Le problème c'est que tu verras que le labyrinthe en fait il demande d'avoir quand même pas mal de persos tu vois pour commencer en premier etc. Mais aussi des stats hein. Parce que oui, faut avoir des persos, donc plus t'as de persos forcément plus t'auras de stats hein. Parce que bon avec deux persos t'as beau avoir beaucoup de level entre guillemets, enfin plus de stats t'auras quand même moins de CP que trois persos. Tu vois ce que je veux dire. Donc ouais c'est très compliqué. Donc là plus t'avais un perso rouge please. Estarosa. Brin par contre, Brin c'est fort hein. Oh Brin en vrai pour Heliok les gars c'est broken hein. Allez, on prend Brin. Ça y va directement. Brin, les gars, c'est turbo broken, en fait. Donc, je vais la prendre, Brin. Ce Brin, le truc qui est intéressant, c'est qu'elle augmente ses stats de base, etc. Donc, c'est vraiment très fort. Ça permet de faire beaucoup de dégâts. Donc, je pense que Brin, c'est très, très cheaté. Peut-être la clé, d'ailleurs, de Heliok. Mais bon, Brin, gèle pour l'avoir. Hein. Ok. Ok, ok. Donc là, on va one-shot lui. Et on va essayer de tuer lui. Ouais, c'est quand même très fort au Brin, hein. Et voir les stats qu'elle a après, en vrai, parce que c'est intéressant quand même de voir. Voir les stats qu'elle a. Ok, c'est vraiment pas mal. C'est vraiment pas mal tout ça. Ah, hop. Voilà, contre-type, donc on va perdre des dégâts forcément. Mais bon, je pense que Brin, ouais, c'est la clé, entre guillemets, parce que, ouais, elle fait trop mal, hein. Brin, c'est ultra fort, hein.
Bah mais là écoute, elle va prendre le focus. On va prendre le focus sur Elioc, mais écoute. C'est la vie comme on dit, non? C'est la vie, c'est la vie. On a besoin de jouer ça, donc on va prendre le heal. On a besoin de stats. Hein. Tac. T'en as pas de stats, on voit ça, c'est... C'est très grave en fait, c'est que t'as pas de stats, genre vraiment ça... Ça me fume en fait, t'as zéro stats, genre. C'est très chiant, hein, vraiment. Très très chiant le fait d'avoir 0 de stats en fait. Ok. Je sais même pas si je peux le tuer en fait. Peut-être avec Brynn je le tue. Ok. Brynn est très forte, hein, vraiment. Waouh. Oh, elle est dégueu. Ok, bon, on va pouvoir régénérer Mélasse coulant entre guillemets. Et encore, en vrai, je sais pas honnêtement. En fait, le but là, c'est. En fait, faut qu'elle tanque pour après, tu vois. Parce que là, elle se fait arracher en 75. Donc, c'est pas. Pas ouf. Hein. Après, ça va, elle a un skill qui régène. Donc, en vrai, ça va, tu vois. Mais bon. Quand même limite, hein. Mais là, ce coup-là. Quand elle prend le focus, frérot, ça dégage rapidement, quand même. Hein. Ok, elle a quand même bien ce qui, comme on dit. Ok, full vie. D'accord. Donc, en fait, là, en fait, il faut que je luck, entre guillemets, sur Elioc. Qu'elle fasse pas 1 milliard de skills, tu vois. Genre des skills level 3, tu vois. Genre, si elle fait que des skills level 1, ça va, ou même level 2. À la limite, je peux tanker avec Mela, tu vois. Donc là, j'ai pas envie de jouer ça. Mais si elle fait des level 3 gogo, ouais, ça sera très compliqué, hein, je vous le dis. Mais après ça, on a Brynn. 32 000, ok. Donc il faut beaucoup de CP en vrai. Donc beaucoup de CP. En fait, attends, tu commences toujours deuxième avec contre les boss ou parce que j'ai vu qu'au début ils te donnent des passifs. Hein. C'est possible. Très bizarre ce labyrinthe. Hein. Très très bizarre. Hein. Ok, elle a quand même beaucoup de. Ok, bah de toute façon je peux pas mettre de malus, donc ça, au moins le problème est réglé. Hein. Ok. Le problème réglé les amis. Le problème réglé. Ok, je me prends un malus avant, donc là la tactique, je pense. Ok, par contre elle a pas mal de vie. La tactique est de taper avant quand même, histoire de tanker le skill. Ah, c'est pas beaucoup quand même. Ok. Brynn, calme-toi s'il te plaît. Ah, Brynn, elle est trop forte. Non, Brynn, c'est trop fort. En vrai, je pense que c'est le cheat code ici. Ok, ça va, on prend à droite. Ok, je pensais qu'elle allait taper quand même avant. C'est vrai que des fois, l'IA, elle est un peu teuteux, donc tranquille. Ok, normalement, on tue là avec Brynn. Demande encore un skill de Brynn pour vraiment être sûr de tuer. Ok, je me suis fait shafted. Normalement, tu peux pas stun ici, donc rip, comme on dit. Mais en vrai, ça va, tu vois. En vrai, ça va. Ah merde, je peux pas mettre le stun. Ok. Ça va, on a déglingué Elioc. Ok, les gars, on a enfin réussi Elioc. Donc, je pense que Brynn, c'est vraiment le perso vedette. Ok. Ah, c'est compliqué. Hein. Je vous dis très honnêtement, les gars, c'est très, très compliqué. Hein. Très, très compliqué cette histoire. Ok, enfin, donc là on va revive notre ami Mélasse Coulop, parce qu'en vrai je pense qu'elle va nous servir quand même, mine de rien. Là, oh, il y a plein de persos. Ah ouais, d'accord. Faire ça, ça. Oh, il y a beaucoup. Là, il y a beaucoup de persos ici, en vrai je pense que c'est le truc à faire. Hein. Et dans les shops, tu prends que du ça en fait. Ok. Allez. Oh. AM. AMM, ok. Eligot, par contre, les gars, c'est pas mal. On va dire c'est plus intéressant que Gil. Lol. Lol des ultis, hein, vraiment très utile. Merci beaucoup. Jan Maria, je crois que c'était Jan Festival au début. J'étais en mode yes, enfin, de la chance. Bah, on va mettre Zel Nebula en sub, non? En vrai, c'est réel, c'est comme... En vrai, pourquoi je parle de Zel Nebula? Moi, je suis matrixé par sa relique, je crois. En vrai, je vais bouger lui. Et je vais mettre sur le board, en fait. Directement. Ouais. Je pense que c'est pas mal comme ça. Ok, pas mal, pas mal. Après, le boss, les gars, je le connais pas. Hein. À tout moment, il est rouge et je me fais déglinguer, non? Genre, en vrai, là, on rigole, hein, mais... Ouais, bon. On verra. Ce qui est là, c'est que là, je peux faire le combo... posture shield. Donc, en vrai, je vais tanker, c'est cool. Oula.
Ah, ça tombe bien ici par contre. Oula, oula, what the fuck? C'est quoi toutes ces stats là? Oh ouais, non mais les boss par contre frérot ils tankent hein, genre... Ah ouais, ça a changé un peu quand même. Ok. Ah, les boss sont vraiment must-up comme on dit. Ah ouais, mais les boss ils ont des stats de zinzin, c'est quoi ça? Non mais what? Attends, j'ai pas de stats ou les boss sont trop chitants en fait? Je sais pas, c'est soit l'un soit l'autre hein, de toute façon. Bizarre. Bon après le shield en vrai il nous carré de ouf, hein, ça faut dire. Trop fort le shield. Bon, en fait, ils sont beaucoup trop tanky, c'est ça en fait. Genre, les mobs sont juste trop tanky, genre point. Ça s'arrête là. En vrai, je peux juste stun et taper en AO en vrai. Hein. Ellie God. En vrai, imaginez les gars, on a Maël en vrai. Si on a Maël, c'est auto-win, non? Ce Maël en vrai, on va te faire des grosses dingueries quand même, non? Je sais pas. On a quand même pas mal de life steal sur le perso, mine de rien. Bon, elle en vrai qui prend le focus, ça va. Je vais me protéger un minimum quand même, on sait jamais. On va stun, sécurité. On va prendre son temps, en vrai les gars, on a le temps. Tranquille. Bah, on sait qu'on fait 0 dégâts par contre dans ça. C'est compliqué hein, quand même. Très compliqué cette histoire. On va pouvoir heal. Go heal les amis. Tac, tac. Tac, le petit renvoi minable. Mais bon, écoutez, c'est la vie comme on dit. Allez, hein, vraiment, on est là. Hein. On est là, on est là. Hein. Ok, alors, par contre, le combat qui dure littéralement 75 ans. J'ai envie de délaisser mon compte. Hein. Oh, le renvoi dégueulasse. Hein. Enfin, la régène dégueulasse, le renvoi dégueulasse. Ouais, y a rien de nouveau en fait. Ah, oh, ouais, c'est bien nul quand même. Hein. Donc là on a fait mal parce qu'on avait l'aspect, donc notre passif UR vient de proc. Ok. Ah, je sens que le boss en vrai est rouge. C'est quoi ça? C'est quoi? La puissance d'attaque d'un allié, ok. Je vais prendre ça en vrai. Let's go. Tac. Et voir les persos en vrai. Il y a moyen d'avoir des persos, non? On peut pas en acheter ici? Ok. Bah, go prendre jouer ça en fait. Hein. Genre, faut pas être débile. Hein. Faut en profiter comme on dit. Pas quitter, je pense en vrai. Hein. Ça coûte 20. Ouais. Ouais. Je sais pas s'il y a un shop après, bon, tu sais quoi, je pars du principe qu'il y a un shop après. J'ai bien fait du coup. Ok. À fond, les combats, si c'est vraiment toujours très long, ça sera chiant. Waouh, frérot. C'est quoi ces combats là? Oh, les combats les plus longs, genre vraiment. Ouais, oh, c'est très grave là, ce qu'on vit. Hein. Il se fait. Bah, tu sais, c'est que le DPS est très minime entre guillemets. Ah, t'as l'impression que tu fais 0 dégâts, genre c'est trop marrant. C'est bizarre même. Ok, on a crit. Bon, quand tu crit, frérot, tu sens les dégâts. Hein. Crit. Pas crit. Ça va, il fait un peu plus de dégâts vu qu'on a mis des étoiles, donc en vrai, c'est plus intéressant, entre guillemets. Ok. On a quand même shield à la fin. Ça, Sariel en vrai fait quand même son taf, on va dire. Ça va, il fait son taf. Donc. Ah, dommage, on a pas tué. Dommage, dommage. Quoi, prendre des dégâts sur les ligodes un peu bêtes. Ah, bah, même tout prendre en fait, hein, mine de rien. Oula, ok. Oula, elle prend quand même cher, hein, la petite. Ouais. Donc là, on va voir l'aspect. De Brin, donc c'est pas mal. C'est pas mal les amis. D'ailleurs peut-être qu'on tue celui de gauche, non, vu qu'on est full jauge, donc on a 50% d'attaque en plus. Peut-être moyen, non?
Ok, ça va, pixel. Tant mieux en fait, hein, du coup, comme ça on peut heal avec notre spé. Bon, ça sera minime hein, le heal, mais vu qu'on l'a que spé 1. Après, ça va faire mal dans le class P. Vu qu'on a un bon passif, enfin deux bons passifs en tout cas. Oh, ça va, ouais, c'est quoi du 20 000 de heal, non? Ok, parfait. On est full vie, on est pas mal en vrai, ça va, hein, franchement, les gars. Ça va, mais bon, j'ai peur en fait pour le boss, vu que je le connais pas, bah je vais me faire éclater, hein, je le sens. Hein. Oh, 2 étoiles. Et voilà les persos. Oh. Alors ça, par contre, c'est pas dégueu. Nanashi, c'est pas dégueu aussi, parce qu'en vrai, ça peut carry. En vrai, je pense que King est pas mal. Peut-être enlever elle, en vrai. On va être King en vrai, je pense. Hein. Mais je pense qu'on a pas assez de stats en vrai. 80 000 de CP. En vrai, je pars du principe que le boss il est rouge. Hein. Les gars, vraiment, je me dis bleu. Ils ont fait bleu après rouge. Ils vont dans le sens du cycle des couleurs. Peut-être que je me trompe. Hein. Mais bon, c'est jamais. Hein. Ok. Donc là, ça veut dire qu'en vrai. On a quand même des bons skills. Ce King, c'est un très très bon perso. Son shield est vraiment pas mal. En plus, il fait mal, what the fuck. Okay. Ouh. King, par contre, là, frérot, tu fais mal. Hein. Dose un peu. Hein. Ok, King est vraiment pas mal. Hein. King est vraiment pas mal. Pour le farming, c'est pas mal. Pour le côté shield aussi, c'est pas mal, du coup. On va voir si sur le boss, on peut faire des grosses dingueries, comme on dit. Mais je pense qu'on a pas assez de stats, hein. Vraiment, j'enlève ma mélasse couleur rouge. Ok, on a pas assez de stats, donc rouge ou pas? Vert, ok. Bon bah. Lol. Eligod qui va se faire one shot. Merlin. Alors, Merlin, le truc qui est intéressant, c'est qu'elle enlève des spé, etc. Donc, ok, d'accord, c'est quoi ce buff bizarre, là? Quoi? Attends, c'est quoi ce boss toxique là? Oui. Attends, mais on se fout de moi là, c'est pas possible. Je suis en train de rêver, Joe. Attends, mais ils sont sérieux avec leur boss là? Mais c'est grave en fait de faire des boss comme ça. Parce que du coup, je peux pas shield. Bon, je peux shield sur Ellie, hein, c'est cool. On va se prendre de l'aspect comme ça, tu vois, Osef. Bon, on va tanker entre guillemets, enfin tanker. Lol, on se comprend. Allez, on se reprend des gels, du coup. Hein. C'est quoi cette blague, en fait? Qu'elle a... Y a pas eu de revive. Oula. Alors, comment dire? On va rusher l'aspect. Bon, mais c'est quoi ces stats, en plus, là? Ah, j'aurais pu rusher King, en vrai. Ça enlève les bonus. Oh, je suis con. Ok. Bon, toi, t'es un peu cheaté, quand même, hein. Le shield de King est broken. Oula. Allez, hein. Moi, j'ai dit le shield de King était broken. Hein. Vraiment, les gars, c'était une boutade, en fait. Calmez-vous. Ok. Alors, est-ce qu'elle a un revive? Non. Ok. Alors, Brynn, j'ai l'impression qu'elle est un peu trop broken dans ce mode de jeu. Je sais pas si c'est une impression, mais elle est vraiment pas mal, Brynn. Hein. Alors, Brynn, elle a failli one shot. Bon, moi, bon, je m'attendais pas à ça, mais ok. Là, le boss est rouge. Du coup, hein, par déduction, lol. Bah là, on va à droite. De hein. toute façon, en tous les cas, c'est gauche ou droite. Parce que là, il y a un heal. Coffre. Heal, shop, en vrai autant là à gauche, hein, parce que le shop en vrai il peut nous carry. Le shop il peut nous carry les amis. Vous savez à quel point le shop c'est cheaté? Bah c'est cheaté, on se rebond, hein. C'est très fort en tout cas. Donc là avec King c'est cool, c'est qu'on va pouvoir farmer très rapidement parce que King, bah très très bon perso. Ok, très bonne main d'ailleurs. On va taper juste comme un débilos comme on dit. On va se régène comme ça, on va mettre des gros shields.
Au moins, tu as un mob, celui de droite, normalement. Ok. Bon, là, King va prendre le focus, c'est un peu dommage. Ou peut-être Ellie, en fait. Ouais, Ellie, normalement, non. Ok, ok. Ok, on tank, mais le shield est vraiment pas dégueu, du coup. Pas mal, King. Hein. Pas mal, pas mal. Mais du coup, ouais, il faut des persos bleus, maintenant. Brynn, il y a peut-être moins que je l'enlève. En vrai, si j'ai Maël... ouais, non, Maël... Ultimate, c'est le moment de d'avoir Ultimate, en fait. Hein. Parce que là, Ultimate, il peut faire des dingueries. Tu vois, on a le Revive. Le Revive peut proc sur, sur pas King. Après, non, faut pas avoir une team full mono bleu, parce que... Si... Eligot, du coup, elle servait à rien, tu vois. Hmm. Ah, je sais pas, les gars, je sais pas. Hmm. Et on va à gauche. De toute façon, les levels, en vrai, tu XP, hein, tranquille. Ok, on commence à te fouler ça. XP. Oh, Maël. J'ai pas de team archange, en fait. Ah si, j'ai une team archange, en fait. J'ai Brynn. Je fais ça. Team archange. Ok. Enfin, c'est le combat de droite. Alors Maël par contre ça va bien carry parce que 20% de tankiness. Faudrait que je remets stats du coup. Ok, pas mal. Pas mal, pas mal tout ça. Pas mal, pas mal, hein, mine de rien. On va être là-haut, on va réduire les dégâts aussi. Ok. Maël qui va carry, je pense. Hein. Faire les dégâts. Ouf, ah oui, ok. D'accord. Maël qui va carry. 14 000, bon, là. Dose mon ref. Hein. Bon, c'est vrai, il faut que je le tège. Faut que j'ai une non, pas Margaret qui. Ludo... En vrai, Ludo ciel vert. Très honnêtement. Non, pas vert. Pour... Qu'est-ce que je raconte, moi, Ludo ciel vert. Ouais. Le truc, il est rouge. Le perso, il va être rouge à la fin. Y'a qui en bleu? Bah, du coup, Margaret. Hein. Ah. Ah, il fait mal, hein. Ah, ça... Là, quand tu vois. Là, on est dans la situation où on a un bon perso, en fait. J'aurais pu prendre Melo 3K en fait, hein, Melo 3K, mais je me suis dit que j'ai une team archonge. Donc, bah, autant en profiter. Hein. Faut pas être débile, les gars. Hein. Serial Vert, par contre, les gars, il va sauter, je pense, très rapidement. Si j'ai pas de nouveau perso archonge, entre guillemets. On va prendre le shop en vrai. Hein. Et au fight, un dragon bizarre. Ouais, Maël, les gars, écoutez, hein, on est bien. Maël qui va carry, je pense. Maël qui va mettre bien dans la game. Pour l'instant, en vrai, ça va. En fait, c'est juste les boss qui sont très chiants, avoir les bons persos, hein, comme d'habitude, de toute façon. Ah, Maël, il fait des dingueries quand même. Les stats qu'il a, gros, mais c'est. C'est aberrant, genre vraiment. Oh, ton prend cher, hein. Vraiment, les mobs là, tu vois, qui commencent à faire très très mal, hein. Ça va. Bah, je pense que c'est le shield d'Eligot qui me nerf un peu entre guillemets, tu vois. Je sais pas, c'est un peu bizarre. Hein. Mais je vais mettre la haute Sarel, my bad. Oh, ouais, Maël, il se déchaîne hein, vraiment. Maël, miam miam. Hein. Le pixel, les amis, le pixel, vous connaissez. Moi, je posture, moi. Bon, c'est pas un flemme de reset. Hein. Ok. Oh, il me faut trop... il me faut trop Margaret, là. Vraiment, les gars... il faut trop Margaret. En vrai, c'est le moment où il faut dropper Margaret. Hein. Genre, Margaret, là, t'as une team full bleu. En vrai, tu fais des dingueries. Hein. C'est quoi, à gauche? Combat. Pas besoin réellement de combat en vrai, je pense. Hein. Coin de point 50. Hein. Ok. On a pas besoin de points en fait. Enfin, en vrai, non, j'aurais dû faire le combat en fait. Parce qu'au final, j'ai. Non, j'aurais dû faire le combat en fait. Parce que là. J'ai besoin de. Ok, en vrai, ça va, c'est pas mal. En fait, j'ai besoin de points pour acheter des trucs dans le shop, en fait. En vrai, ouais, ce que j'ai fait, c'était bon. Oula. Ok. Très bon perso, Maël, hein, vraiment. Maël, quand t'as une team full archange en PvE, c'est marrant, hein, vraiment.
Quel perso de Barjo quand même. Je vous le dis les gars, c'est Mel qui va me carry, vous allez voir. What? Ok, j'ai pas compris. Ah, y'a pas de perso? Ok. On a Issa. Ouais. Ouais, c'est à la fin du coup. Au moins, on sera level 100, on va dire, c'est le principal. On sera Issa, Issa 5 ou Issa 4 du coup. Parce qu'en fait, les étoiles, ça dépend des fois, ça donne. What the fuck, c'est quoi ça? Ok. C'est un boss du coup. Est-ce qu'on peut le one-shot avec Maël? En vrai, il y a un monde, non? En plus, on peut le stun, donc en vrai, ouais, bon, avec Maël, on one-shot. Hein. Maël, avec les deux cartes, tu tues hein, même une, peut-être, je sais pas. Ah, non, deux. Ah, le perso full crit, hein. Genre, ouais, le perso déchaîné, hein. Ah, Maël, les gars, hein. Maël, ça pardonne pas, les amis, hein. Vous connaissez à quel point c'est très, très fort. Hein. Ok. Donc là, on est level 100, normalement, je pense. Ok, parfait. Donc là, il faut qu'on achète un du SA et un perso, du coup. Bah, on achète. Peut-être qu'on va pas acheter de perso, hein, parce que c'est claqué, tu vois. Hop, doublon UR, ça fait plaisir. Donc là, c'est quoi? 2? 2 ou 1? 1. Ok. On peut acheter un perso et après, ça rajoute. Ok, on est parfait en fait en termes de puntos. Ok. S'il est rouge. Le truc qui est intéressant, c'est peut-être d'avoir Ultimate en vrai. Ultimate, The One, pardon. C'est vrai, The One, mine de rien, bah bleu, bah c'est meilleur que King, on va dire, tu vois. Full single target, donc en vrai, je pense que ça sera plus intéressant. Et là, du coup, on peut acheter du SA et être SA6. Donc là, on est vraiment full monté, hein, les gars. On peut pas mieux faire, hein, vraiment. Je commence en premier ou pas, du coup? Non. En fait, tu commences toujours en deuxième. Ah ouais, c'est... C'est bizarre, quand même, hein. Gozer. Ok. Bonjour, Gozer. Oh, c'est moi, il fait pas de dégâts, le perso. Peut-être que je me trompe. Hein. Par contre, c'est chance crit. Dommage crit et chance crit, je pense. En fait, c'est le moment où il faut avoir... En fait, faut avoir des... avoir de la chance, en fait. Ok. En fait, ouais, il fait que de me bloquer. Genre, en gros, c'est ça, le combat, quoi. D'accord. Très bon combat, du coup. Ah, bah attends, on peut ultra-rush ou pas, Maël? Non, on peut pas. Bah, ghost stun. C'est là où on peut le stun, ce serait marrant, ouais. C'est vrai que The One en vrai serait fort parce qu'en fait t'as l'immunité. On peut pas stun. Tant mieux. Patience. Alors en fait le combat tu vas me dire que c'est ça tout le long en fait. D'accord. Waouh, on va crever à un moment donné. Hein. Genre on n'est pas invincible les gars. Hein. Ok c'est bien. Ultra-rush du coup. Ultra-rush Maël. Attends, on prend rien avec Maël. En fait, la team Maël, elle est tout. Ok, bah, direction Tupac en fait. Hein. J'ai plus le blocage, donc bah, go taper. Hein. Non, mais c'est ça le combat en fait. En fait, ouais, t'as Maël, t'as GG le jeu, genre. J'ai bien fait de mettre le level 2. Hein. Non, mais c'est ça le boss. D'accord. Ah, donc t'as Maël, tu détruis le jeu, quoi. Ok. Bah, Maël, Maël, voilà, hein, Maël, on est là, hein. Yo, Maël, hein, ça va, mon ref? Tranquille. D'accord. Ah bah ouais, je vais garder la team, hein. Ça, c'est sûr et certain, mon ref, hein. Donc là, en vrai, on va voir tous les boss. What, il y a un shop maintenant? Il y a des shops? Attends, on peut changer de perso? C'est bien ça, c'est une bonne idée par contre. On va heal, hein, du coup. Hop, labyrinthe. Putain, mais Maël, mais c'est... En fait, la team, elle est trop forte. En fait, Gozer,
Gozer, à part bloquer, il sert à rien en fait. Il fait pas de dégâts. Début, t'es lié au bleu, il était plus dur, je vous jure, les gars. Vraiment. Bon, du coup, j'ai aucun passif, ça c'est marrant aussi. Et voilà les stats. Ah, bon, j'ai quand même pas mal de stats, mine de rien. Ah, Maël, c'est fort, hein. On peut mettre encore les malus ou pas de Maël? Normalement, oui, je pense que c'est. Ok, non. J'allais dire, je pense, parce que tu sais, c'est. C'est fait entre guillemets pour Maël. Mais non, en fait. Oula. Ah, d'accord. Bah, je sais quoi, ces boss là? What the. What? Ah, ouais, les boss, ils sont trop chauds, en fait. Les boss, gros, c'est dur, en fait. Ah, on va perdre un perso, quoi. C'est quoi, SP en AOE ou SP single target? Je peux pas SP, enfin, ouais, c'est. Ok. SP single, du coup. Ah, ouais, c'est. Marrant. Très marrant, je me suis amusé, là, par contre. Ok. J'ai pas d'attaque en fait donc. Bonjour. The fuck. En vrai, je comprends rien, genre vraiment. Bon, en fait, là, j'ai perdu mes persos un par un. Genre, en fait, ouais, c'est. C'est un peu claquette quoi. Attends, mais les boss ils sont trop broken, genre. Après, j'ai pas non plus la meilleure team au monde, hein, genre, faut dire des termes. Ah, mais gros, regarde ce qu'il met, genre. Mec, il met deux patates, je suis mort. Mais c'est une dinguerie. Attends, mais normalement, on peut pas réduire mes stats. Pourquoi j'ai une réduction de stats hein? Quoi? Ah, mais non, c'est uniquement en PVP, je suis con. Moi. Ça, j'avais pas compris, genre. C'est vrai qu'on est pas en PVP, lol. Ah, du coup, maintenant, on fait pas de dégâts avec Maël. Bah, on a perdu un archange. Ah, c'est. Oh, le boss frérot il est en train de t'éclater, hein, genre vraiment. C'est le problème de la team Maël, c'est qu'en fait, bah, t'as pas de stats, con, clairement. T'as pas de stats. T'as pas de. Enfin, de perso qui. On va dire qui. Intéressant un minimum, tu vois. Bon, alors, ouais, je pense que dans mon coin, je referai le labyrinthe pour essayer d'avoir peut-être Sarel vert. Sarel rouge, pardon. Sarel rouge, même Tarmiel rouge en vrai, hein, Tarmiel rouge, etc. Histoire de pêcher tout ça. Ça c'est compliqué quand même. Peut-être moins de one shot en vrai que Maël. Quand on commence premier, c'est marrant ça. Putain, mais là pourquoi je l'éclate lui là? Quoi? Et lui je l'éclate en 75 genre. Il y a un revive? Ah, pour les... Arrêtez de mettre des revives genre, please. Oh les dégâts que tu prends. Ah ouais. Oh non, gel. Oh. Oh là là, les boss concerts, gros. Ah voilà, dinguerie, genre. Oh là là, mais quel. Je suis mort, en fait. Ok, bah en vrai les boss, mais what. Mais les boss sont trop concerts, en fait. Loti gel, Loti. Oh là là. Catastrophique, hein, vraiment. Bon bah écoutez les gars, on essaiera de faire une nouvelle team en off hein, pour faire tout ça. De toute façon, vous connaissez les gars pour former le shop. Hein. Ça prend un peu de temps. Hein. De toute façon, ça coûte combien? 120. Après, par contre, on a plus de points comparé à avant, tu vois. Attends, on débloque quoi ici? Au pire, je peux farmer à chaque fois en fait ici. Hein, je fais le niveau 1 à chaque fois, lol. C'est le mec. Ouais bon bref les gars, merci d'avoir regardé, n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche pour être au courant des nouvelles vidéos, des bisous, tchouss.